est où? On est à côté d'Ankara et dans un garage Tania. Ça fait depuis hier soir qu'on attend. Encore pour un mouton. Et là, si tu te mets là-bas, t'arriveras à prendre la même photo que Event de 140. On n'a pas besoin de prendre avec nous, hein. No comprende. No comprende. Ah, habla en español. Sí, sí, no problema. And it's restoring one of the old Scania in England. 110. Aye? The very old one. With the old lamps. Yeah. Yeah. The 100. And he's bought it and it's restore it now in England. I had picture but I could not find it now. Tu veux un petit apéro ou bien? Thank you.
je veux juste expliquer la journée. Hein. Donc on a commencé par recevoir les pièces. Ça a avéré rapidement qu'en fait les pièces elles étaient. Oui, c'était quoi en fait le cylindre, chemise et le piston. La chemise qui était à peine trop grande. Ils n'arrivaient pas à la mettre au fond du bloc. Donc ils ont dû retourner chez un mécanicien, la faire tourner. Non. Quoi non? Ils ont raboté la culasse. La chemise, pas la culasse. Pas la chemise. Le bloc ils ont. Le bloc ils ont fait. Ok. Et puis après, ils ont commencé à remonter. Pas très rapidement. Si, ils montaient ça. Ils montaient ça vite. Ok. Et puis vers 11h30, ils sont arrêtés, ils sont allés manger. Ils ont repris à quoi? À midi et demi. Hein. Ouais. Puis à 1h, on a mis en marche. Ça tournait. Ça. 1h15. Ça tournait, on était tous contents. Christophe, il est allé essayer le camion avec le mécano. Et là, la température est montée. Donc, grosse déception. On avait l'impression de retourner à la case départ. Hein, là. Mmh. Et puis en fait, ben, il fallait purger le circuit d'eau, compléter avec de l'eau. Il y avait un peu des fuites d'huile, mais ça peut être dû à la mécanique. J'avais oublié aussi qu'il y avait une huile serrée, une durite. Oui. Oui, voilà. Une durite pas serrée. Puis voilà, puis là, ben, on est parti. C'était quoi, 4h de l'après-midi, on est parti, Marcus? Hein? On est parti à 4h de l'après-midi. Où? De là-bas, Guéredé. De Scania? Ouais, de chez Scania. Ah oui, plus ou moins, oui. On est encore vite allé acheter un ventilateur parce qu'on trouvait ça rigolo. On a vite acheté un ventilateur. Ouais. Parce qu'on trouvait ça drôle. Ça. Drôle. Funny! Hein? We buy a fan because we find these kind of things funny. Ouais, ouais, ouais. J'en ai plein des hélices. T'en as plein en plus? Pas ici. Ok, donc voilà, si jamais quelqu'un est intéressé, on a une hélice à vendre. Un fan de série 1. Puis après... 1500 euros. Ouais, puis c'est un bon prix, hein, je peux vous le dire. Ah, ouais. 1500 euros. Ouais, ouais. Et puis voilà, puis là on a roulé, on a passé sur le périphérique d'Ankara. Et là on n'est pas loin de la ville de Sivas. C'est 11h du soir, on a mangé super bien. Il reste toutes les fraises. Les fraises, le dessert que Daniel nous a amoureusement préparé. Non, c'est Marcus. Oh, c'est Marcus. Il fallait que je me renseigne avant de dire. Mais voilà. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more.
kid from your mama. Please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down there. No, 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 no. C'est l'altitude. C'était un des deux principaux cols les plus hauts, en tout cas, qu'on avait sur la route de la soie. Donc Ankara, il y a quoi, 600, 700 km, je sais pas. Et puis 300 km pour arriver à Erzurum. Donc encore environ 700 km pour arriver à la frontière iranienne. Il y a encore un autre col très haut, ça s'appelle le Tahir, mais c'est pour demain ça. Well, this is the Kizil Dagh Pass. That's the altitude. It's the second highest pass on the way to Iran. We are on the Silk Road here.
about 600 kilometers after Ankara, in the direction of Erzurum, on the way to Iran, we found a place called Baba Europa Hotel. It was a truck stop where the driver used to stop. And it's no more a truck stop now, it's a family house. We stopped by and the old woman, which was the wife of Baba, who passed away a couple of years ago, opened the house where the restaurant was, and inside we found pictures of the left by the driver in the 70s. As you can see on the pictures, we can see drivers from Switzerland, England, Holland, France, and more. It was very interesting to see that. Işık sinyalizasyon problem ha. Doküman. Don't forget to visit toprun.ch, it's the number one truck website since 15 years. With more than 100,000 pictures about trucks, show truck, heavy haulage, history about Middle East run, etc. You will find a lot of interesting things to see. Don't forget to visit toprun.ch. Oh, il y a Top qui veut expliquer quelque chose. Alors, c'est Speedy
Gonzalez qui nous filme aujourd'hui en direct de Erzurum. Il a fait le record boy du village. Enregistré sur la GoPro, bien sûr. Donc, on voit une petite logade de police qui se fume comme lui. Je pleure. Il est con, celui-là. Il est Gonzalez. Bon, ben voilà, hein. C'est fait.